tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Ce journal se voit par cette information dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le député français du groupe d'amitié France-Afrique centrale était en séance de travail avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombay. Reportage de Gilles Boulembe. En séjour à Kinshasa, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, une forte délégation de sénateurs français du groupe d'amitié France-Afrique centrale, conduite par le sénateur de la Mayenne Guillaume Chevrolier, a eu une séance de travail le mardi 10 juillet 2024 avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombay. Il était question de présenter au premier vice-président de l'Assemblée nationale l'objet de leur visite en République démocratique du Congo. Plusieurs questions relatives à la diplomatie parlementaire ont été évoquées, notamment des questions liées à l'échange d'expériences sur la décentralisation. Après ces échanges, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, l'honorable Dominique Munongo Inamizi, en compagnie du président du réseau des parlementaires d'accompagnement de la décentralisation et de la déconcentration REPAD en sigle, l'honorable Joseph Bangakia, ont eu des discussions avec cette délégation des sénateurs français. Ensemble, ils ont émis le vœu de renforcer la coopération diplomatique entre les parlementaires congolais et français. Le plan d'action stratégique du REPAD est au rendez-vous au cours de ces discussion. Le parlementaire français envisage un programme de formation et de séminaires destinés aux élus congolais dans les collectivités territoriales françaises, ainsi que la mise en œuvre de centres de monitoring sur lesquels la France va appuyer le REPAD. Notons que la décentralisation est un processus qui consiste à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes pour assurer une meilleure prestation de services par le secteur public et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et puis pendant ce temps, le vice-premier ministre en charge de l'insécurité et la charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemin Chabani, a échangé avec le nonce apostolique en République démocratique du Congo sur la recrudescence de l'agression rwandaise de la partie est du pays. Regardez. Monseigneur Midja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, est venu présenter ses civilités au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, le mercredi 10 juillet. À cette occasion, les deux personnalités ont aussi échangé autour de plusieurs aspects liés à la République démocratique du Congo, notamment la sécurité et beaucoup plus la recrudescence de l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Son Excellence a reçu une grande responsabilité, c'est pourquoi je l'ai rassuré aussi de mes pauvres prières pour que mon Dieu bénisse son travail et son engagement pour la sécurité et la paix, a déclaré les représentants du Saint-Siège. Il m'a reçu avec beaucoup de cordialité et que j'ai apprécié vraiment sa gentillesse. Et il, bon, pour les conversations, et, mais aussi les questions de sécurité. Sur le territoire, surtout sur le territoire de l'Est du pays, sont bien sûr le thème très important dont son Excellence a aussi une grande responsabilité. Et c'est pour ça que je l'ai assuré aussi de mes pauvres prières, mais quand même que le bon Dieu bénisse son travail et son engagement pour la sécurité, pour la paix et pour le bien du peuple congolais. L'énonce apostolique en RDC a également présenté au VPM Chabani des intérêts entre les Saint-Sièges et l'État congolais. Nous avons aussi adressé la question de la personnalité juridique de l'Église catholique en RDC, a-t-il ajouté. A savoir que, depuis le 16 avril 2024, que le pape François avait nommé Mgr Midja Lescovar nonce apostolique en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, la signature de la validation du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2024 entre le bon syndical de l'ONATRA et le groupement Matadi et Corridor Terminaux Container sur la mise en concession du port de Matadi en présence du VPM de transport Jean-Pierre Bumba Gombo. Reportage de Jean-Pierre Jondi, rempli par Mario Mbongo.
Cette signature marque ainsi le point de convergence entre le banc syndical de l'ONATRA et Matadi Corridor, terminant à conteneur MCTC pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé devant moderniser ce port, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que le MCTC ont pris en compte les désidratants du banc syndical, à en croire le président de la délégation intersyndicale de l'ONATRA, M. Armand Osase. Nous sommes très contents parce que c'était sous la médiation du vice-premier ministre, le ministre des Transports, et aussi les chefs de l'État pour trouver une solution concernant la modernisation d'une partie des ports de Matadi, c'est-à-dire la partie PCM, et les exceptions soulevées par le bas syndical et par rapport à cette modernisation, le gouvernement a pris à compte. C'est-à-dire que les quatre pays d'ici le 27 et le concernant la reformulation des contrats et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est plus à compte. Pour sa part, le directeur général de l'ONATRA, M. Martin Lukusa, s'est dit très satisfait de ces discussions sous l'égide du VPM Jean-Pierre Bemba, qui ont aplani toute divergence et ses signatures gagent de la continuité de la vie de l'entreprise. Cette collaboration qui va s'installer entre le MATRA et le MSD ne puisse pas aller en défaveur de la population congolaise. Et tous ces points de non-convergence ont été élagués et toutes les parties ont signé. Et désormais, la voie est ouverte pour que nous puissions descendre sur le terminal, mais il reste une réalisation pour la garantie de couvrir le fonds social ou la charge sociale de l'ONATRA. Au total, 47 délégués syndicaux ont signé cette validation en présence notamment du secrétaire général du ministère et de la délégation du COPIREP. Le projet Ekinelenda, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, a lancé les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans la commune de Kisasso. Reportage de Lydie Lufolado, rendu par Mario Ambongo. Ces travaux, inscrits dans le cadre du projet Kinelenda, sous la supervision de la cellule d'infrastructure, vont consister à construire en béton armé les avenues Moulele, Mazout et Nzao, longue de 5,8 km dans l'ensemble. Il sera également question de construire des collecteurs adjacents, un réservoir souterrain de 7000 m3 et un château d'eau de 750 m3 pour la desserte gravitaire en eau potable. Très satisfait de ce lancement, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a salué l'effectivité de ce projet qui, d'après lui, est la volonté parfaite du chef de l'État. Il a sur la même lignée appelé la population de son coin au civisme afin de pérenniser cet ouvrage. Pour sa part, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC est revenu sur l'importance du partenariat stratégique entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. En sa qualité de maître d'ouvrage, le patron de l'infrastructure congolaise, Alexis Guizarro, a indiqué que ce projet, sous financement de la Banque mondiale, vise à faire de Kinshasa à la fois une ville résiliente face aux aléas de tout genre et capable d'offrir à ses résidents des services et infrastructures de base nécessaires, fait désormais partie du plan quinquennal des infrastructures 2024-2028. Nous venons effectivement de lancer les travaux où nous allons réaliser des ouvrages de drainage pour lutter contre tous les problèmes d'érosion. Ça va nous permettre aussi de lutter contre les problèmes d'inondation, mais aussi nous allons réaliser quelques voiries structurantes dans cette commune de Kinshasa, et tout cela pour permettre une interconnectivité entre différentes communes de la capitale. Ces travaux sont prévus pour être achevés d'ici les 2 ans qui suivent, mais cela fait partie du grand projet, du grand programme du ministère des Infrastructures qui touche non seulement la ville de Kinshasa, mais l'ensemble du territoire national. Précisons qu'il s'agit du 3e chantier des grands travaux lancés par le projet Kinelenda après le démarrage des chantiers de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP à Maluku et de la maison communale de Njili en 2023. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise CEFEC pour une durée de près de 2 ans.
Et sachez également qu'il est la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé le mardi dernier à Inongo, chef-lieu de la province de Mayindombe, au lancement officiel du programme de gestion durable de forêt PGDEF en terme de cette province. Reportage de Laetitia Louvezon. C'était au cours d'un atelier organisé dans la salle de conférence du cinquantenaire d'Inongo. Des temps forts ont marqué cette cérémonie de lancement de PGDEF dans les discours de la gouverneure de Mayindombe, Rita Bola, et de la ministre d'État, Eve Basaïba. Le PGDEF est conçu pour contribuer à son pilier forêt et environnement à la réalisation de la vision commune des développements du pays, a rappelé pour sa part la ministre d'État, Eve Basaïba, dans son discours d'ouverture dans cet atelier de lancement. Il est clair que cet atelier vise à informer toutes les parties prenantes sur les objectifs et les résultats attendus du programme, à favoriser l'implication et l'approbation dans la mise en œuvre du programme par le déploiement de toutes les synergies nécessaires, a insisté Eve Basaïba avant d'indiquer que les exposés et la richesse des échanges au cours de cet atelier devront permettre d'éclairer davantage sur cet ambitieux programme de gestion durable de forêt. Le programme de gestion durable a été conçu avec le partenaire pour jouer le rôle d'appui au ministère de l'Environnement, du Développement durable, en vue d'une bonne part de mettre en place des outils de gestion et d'autre part de renforcer les capacités institutionnelles de toutes les parties prenantes avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation de couverts forestiers qui constitue un élément important dans la promotion d'une économie verte. Un ministère à un autre, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a reçu dans son cabinet de travail la délégation de l'Union africaine des aveugles. Regardez. La ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Essambo Diatta, a reçu dans son cabinet de travail ce mercredi 10 juillet 2024 une délégation de l'Union africaine des aveugles conduite par monsieur Lucas Amoda, chargé de programme, accompagné du président de l'association des aveugles pour le développement, monsieur Riondouani Muteba. Au menu de leurs entretiens, s'enquérir de la situation des personnes vivant avec handicap d'une manière générale et particulièrement celle de personnes frappées du handicap visuel. Au sortir de cette audience, M. Lucas Amoda a déclaré. Nous sommes venus ici pour voir comment les choses évoluent ici parce que vous connaissez qu'il y a pas mal de temps que les personnes vivant avec handicap, surtout beaucoup plus des aveugles, ont été vraiment mal pris partout. Alors nous sommes cette organisation qui joue à ce que ces personnes puissent retrouver leurs droits et être aussi acceptées partout dans la société. Nous sommes certainement l'organisation africaine des aveugles et alors nous sommes là justement pour promouvoir le protocole pour les gens qui vivent avec handicap, surtout beaucoup plus pour les aveugles. Et changeons de chapitre à présent dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du chef de l'État a procédé le mercredi dernier à la remise de 26 000 uperguides de l'agent de douane au cadre de la Direction générale des douanes et assises. Regardez. Sur instruction du président Félix Tshisekedi, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, a remis 3 conteneurs des superguides de l'agent des douanes au cadre et agent de la Direction générale des douanes et accises pour la prévention et la lutte contre la corruption et les anti-valeurs. Cette campagne, aujourd'hui que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Pour sa part,
La vice-ministre des Finances a fait savoir que les kits complets de ces hypergudes constituent un repère, un appel à plus d'éthique, à plus d'intégrité, plus de transparence et de professionnalisme dans l'exercice du métier de la douane. Recevant symboliquement les 26 000 exemplaires d'hyperguides répartis en 3 containers, le directeur général de la DGDA a promis de tout mettre en œuvre pour que les agents s'approprient et vivent au quotidien de manière professionnelle les valeurs d'éthique et de citoyenneté pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Lancé par le chef de l'État depuis 2022, le projet du Perguide est piloté par la cellule d'innovation et des changements de mentalité, un service spécialisé de la présidence. Un ultimatum donné au gouvernement par l'intersyndicale nationale de l'administration publique de respecter tous les accords signés depuis 2017 de payer un huissier 200 dollars américains à la fin du mois de juillet 2024 en cours. Et si cela n'est pas respecté, l'INAP va convoquer une assemblée générale pour bloquer le gouvernement par une grève générale. Plus de détails dans cet élément signé à l'ENOCA. C'est au cours d'une assemblée générale à Fatima sous la coordination de l'intersyndicale nationale de l'administration publique que les fonctionnaires de l'État, les agents de régie financière et ceux des services d'assiette ont donné un ultimatum au gouvernement de payer d'ici fin du mois de juillet 2024 les agents et fonctionnaires de l'État par un nouveau barème salarial et dont un huissier devra être payé 200 dollars américains comme référence salariale au niveau de l'administration publique. Les agents publics qui se sont retrouvés ces jeudi 11 juillet, en Assemblée générale d'évaluation, ont relevé le fait que le gouvernement de la RDC s'est distingué par la mauvaise foi de ne pas respecter tous les protocoles d'accord qu'il a signés en compagnie du banc syndical, représenté par l'INAP depuis 2017 jusqu'à ce jour. Cette série d'accords n'a pas été respectée, d'où la décision de faire un avertissement au gouvernement de convoquer la dernière Assemblée générale devant le palais de la nation, dans le but de décréter une grève générale est illimité au niveau de l'administration publique et c'est sur l'ensemble du territoire national. Notre Assemblée générale avait pour objectif d'évaluer les accords que nous avons signés avec les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays. Depuis 2015 jusqu'à 2023, nous avons signé près de 6 ou 7 accords avec le gouvernement. L'accord principal qui nous a réunis aujourd'hui, c'est celui qui voulait que l'huissier puisse avoir 200 dollars en salaire de base en 2021. Et depuis 2019, nous avons attendu, nous avons compris, nous avons accepté qu'on nous humilie, mais finalement, rien n'a été fait. Demande au gouvernement que le salaire du mois de juillet, l'huissier doit avoir 200 dollars. Payable au taux budgétaire. Faute par le gouvernement de payer 200 dollars à l'huissier à la fin du mois de juillet, une assemblée générale sera convoquée à l'esplanade du palais de la nation pour que les agents et fonctionnaires présents à Kinshasa nous disent la marche à suivre. Affaire à suivre. Le monde célèbre le 11 juillet de chaque année la Journée mondiale de la population. Cette journée vise à sensibiliser le public aux problèmes liés à la population, impliquer les aspects de santé, les droits humains et environnementaux. Reportage de Nassim Yanda. En 1989, le Conseil d'administration Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a recommandé de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population. Cette journée issue de la journée des 5 milliards célébrée le 11 juillet 1987 a pour objectif d'appeler l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans le cadre des plans et programmes des généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions. Kinshasa, aujourd'hui une ville de plus de 20 millions d'habitants, mérite aussi une grande attention, ainsi que la République démocratique du Congo, qui compte actuellement plus de 80 millions d'habitants.
L'artiste musicien Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet 2024 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, comme prévu pour répondre à l'invitation de l'organe de régulation et lui reprocher d'avoir tenu le propos dénigrement et de démobilisation de forces armées engagées au front dans l'émission Le Panier sur la RTNC. Au sorti de cet entretien, Koffi Olomide s'est exprimé en ces termes. En fait, j'étais invité le vendredi demain, j'ai dit, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si c'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte, donc, d'y aller. Je voulais, dans telle matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme, et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé, et on s'est très bien compris. Je sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats de la FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc, Minou, M. Nivek qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc, le CESAC fait bien les choses. Donc, je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et parlons société à présent du fessier de rouler sur la fin du bungalow de la commune de Kalamou. Les automobilistes se plaignent de cette situation et demandent aux autorités compétentes de réhabiliter cette route très capitale pour la population kinoise. Reportage de Mario Ambongo et Mikonjoli. L'avenue Bungolo dans la commune de Kalamou très récemment a été réhabilitée. Mais une réhabilitation à la va-vite. Aujourd'hui, les conséquences sont là. L'habitume très abîmé et les eaux stagnantes sont un peu partout. Et dire que nous sommes à la saison sèche. À cause des trous retrouvés ça et là, quelques véhicules qui essaient de chercher leur chemin sont butés à des problèmes tels que la perte de leur choc de véhicule. Ou encore, il faut zigzaguer pour forcer le passage et trouver son chemin. Difficile de rouler dans ce coin, des conditions très dures. Les chauffeurs qui paient leur vignette se sont plaints de l'état de cette route. Très capital pour les populations de la Founa. Rien n'est fait et les choses perdurent malheureusement. Les chauffeurs de taxi-bus et taxi trouvent cette route assez proche pour rallier soit Kassavubu ou encore le quartier Yolo et la commune de Limété. L'état de l'avenue Bungalow, à l'instar des autres avenues de Kinshasa, mérite d'être réhabilité et le plus vite possible. Ici, il passe une forte concentration des populations. Et toujours en société, les travaux de la réhabilitation de la avenue Tuapa sont interrompus depuis plusieurs mois et la population sollicite l'implication des autorités sectorielles pour une bonne réhabilitation. Reportage de Naomi Benza. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Tuapa, qui font jonction à l'avenue Wangata et traversent la commune de Kinshasa et celle de la Gombe, ont été interrompus depuis plusieurs mois. Cependant, qu'une petite partie de travaux ont été exécutés de l'avenue Itaga jusqu'à l'avenue Kato, mais d'autre part, un trou s'est créé et les eaux usées stagnent sur la chaussée car les caniveaux sont totalement bouchés.
occasionnant ainsi la mauvaise circulation des véhicules, et quelques usagers rencontrés se sont exprimés en ces termes. Toutes les routes de ville de Kinshasa sont en mauvais état. Vraiment, les chauffeurs souffrent. Les chauffeurs souffrent. Bon, je vais dire au gouverneur de la ville qu'essaie un peu de revoir les conditions des routes de ville de Kinshasa. Notons que l'avenue Tchouapa a besoin d'une bonne réhabilitation pour faciliter la fluidité, car cette avenue est une route d'une importance capitale qui sert de secours à l'hôpital général de Kinshasa. L'ancien célébrité bat son plein dans la ville province de Kinshasa, même la commune de la Gombe où se situe la plupart des sièges des institutions ne pas épargnés. Plusieurs avenues de la commune de la Gombe sont très sales, des inondices un peu partout. Reportage de Jacques Bossé-Kota et Mikonjoli. Divers projets visant à redorer l'image de la ville province de Kinshasa, lancés par le gouverneur Daniel Bumba, notamment la salubrité sur l'ensemble du territoire provincial, qui jusqu'en ces jours n'est pas encore visible dans quelques coins de la capitale, souhait de la population kinoise dès la prise de fonction des nouveaux dirigeants de la ville. Dans la commune de la Gombe, plusieurs tasses d'immondices stagnent sur quelques avenues phares, entre autres Colonel Edea, avenue du Livre et boulevard du 30 juin. Un véritable casse-tête pour la population de ces coins qui exprime sans réserve son mécontentement quant à si. L'opérationnalisation des services de nettoyage dans les différents coins de cette municipalité, comme sollicitent quelques usagers des avenues précitées, contribue efficacement à la lutte contre l'insalubrité constatée dans la commune de la Gombe. Deux odeurs malodorantes dégagées par les inondices confinées sur la rivière Kalamou, située au croisement de l'avenue Victoire, dont la commune de Kalamou serait à la base de la pollution de l'environnement, estiment les habitants de ce coin. Une fois de plus, on retrouve Jacques Bossé-Kota et Mekonjoli pour les reportages. Depuis plus d'une décennie, les immondices jetés dans la rivière Kalamou au croisement de l'avenue Victoire et aux alentours dégagent des odeurs nauséabondes qui, selon les habitants de ces coins, polluent l'environnement et ne favorisent en aucun cas leur bien-être social. En tout cas, dans ces pays, c'est regrettable. Souvent, nous dénonçons, mais nos dirigeants, c'est comme si ils ne nous attendent pas à ce que... Il y a plusieurs fois qu'on remarque dans nos rivières des immondices nous envahit souvent. Lorsqu'il pleut, il y a des inondations partout. Mais jusqu'à là, c'est comme si nos dirigeants ne savent pas rien faire. Tandis que nous avons de bonnes choses que nous pouvons mettre en place pour lutter contre ce genre de choses. C'est pas parce que la maison communale n'est pas loin d'ici. C'est à... Je ne passe pas même à un kilomètre, c'est juste qu'ici. Mais les bourgmestres, c'est comme s'ils passent avec ces gens, avec ces travailleurs. Mais... Plusieurs voix s'élèvent face au silence légendaire des services compétents qui plongent en désarroi les habitants de ces coins de la ville qui ne savent à quel sens s'est voué. C'est l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe rédactionnelle de Canal Kin Télévision et technique composée de Koupar Bola, Joël Pimbele, Nomim Benza, Mario Ambongo, Tony Binda, sous la supervision de Jules Blembe. Entre-temps, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.